יהיה מופיס. Je m'appelle Henri, Henri Azout, fils de Moïse Azout, et de Ressa Aguilar. Je suis né en 1949, le 22 octobre 1949, à Casablanca. J'ai grandi dans le quartier juif de Casablanca. Je fais des écoles françaises. D'abord l'école du centre, ensuite le collège du commerce, le petit lycée. Et en 1967, comme beaucoup de jeunes à l'époque au Maroc, j'ai quitté le Maroc pour aller en France par peur de la suite de la guerre de Ségur. Donc en 1967, j'ai atterri à Grenoble où j'ai fait mon année de première. À la fin de l'année, étant donné que tout était calme au Maroc, je suis retourné et j'ai fait donc le lycée d'été pour passer mon bac au lycée d'été. Ensuite, je suis parti à Grenoble encore faire un petit peu de sciences économiques à l'université de Grenoble. Et quelques ans, mon père m'a rappelé, on m'a demandé de venir travailler avec lui. Donc j'ai travaillé avec lui dans le commerce familial, qui était le textile en général, à Delbromar, rue de Strasbourg, à Casablanca. À l'âge de 25-26 ans, c'était en 1975, j'ai décidé de quitter vraiment le Maroc, d'aller tenter ma chance. Je voulais d'abord aller aux États-Unis, mais n'étant pas marié, mon père m'a dit non, hors de question. Il faut que tu te maries et ensuite tu iras beaucoup plus loin si tu veux. Mais pour l'instant, tu restes au Maroc et nous avons réussi à trouver un temps. Je me suis installé en France et puis j'ai rencontré ma femme, on s'est marié à Casablanca. Contrairement à beaucoup de Marocains, je ne peux pas dire que j'ai quitté le Maroc. Je n'ai jamais quitté le Maroc. Je suis en France, mais je retournais au Maroc presque tous les trois mois, tous les trois mois. Preuve en est que mon mariage s'est passé finalement à Casablanca, parce que ma femme, à laquelle elle base, fille de Madeleine et Eliane Baz, et du Maroc, elle avait quitté le Maroc il y a 3 ans, donc elle ne connaissait pas vraiment, mais étant originaire du Maroc, ses parents ont participé à ce Maroc. On a fait ça donc le 3 septembre 1978. Ensuite, on est retourné en France. J'avais créé une affaire de distribution de vêtements pour la grande distribution générale. Et nous avons eu 4 enfants, Sabrina, Erika, Nathan et Rudy. Ils sont tous nés en France. Tous nés en France, tous étudiants en France, sauf Nathan qui a préféré aller faire ses études aux États-Unis. Rudy qui a voulu également partir aux États-Unis et qui finalement est arrivé en Israël. Nathan aussi est en Israël. Les deux fils sont aujourd'hui en France. Ma vie a toujours été partagée entre la France, qui est mon lieu de résidence principale, et le Maroc, qui est le lieu où mes parents et où mes deux frères et deux sœurs habitent toujours jusqu'à présent, là où je parle, toujours au Maroc. Donc on a eu l'occasion de passer les fêtes, de faire le mariage, la mitzvah. Chaque occasion était bonne pour aller passer la fête au Maroc, parce qu'on a toujours pensé, et on le pense toujours, que la meilleure ambiance de fête juive se passait au Maroc. Étant donné que la proximité entre les familles, entre les amis, la proximité des synagogues qui faisait et qui fait toujours qu'on ressent aujourd'hui
très souvent, surtout pour voir ma famille. Avant, j'y allais très souvent pour travailler, puisque je produisais mes articles au Maroc. Maintenant, c'est surtout des visites familiales. On a toujours un grand plaisir de retrouver toute la famille et de passer les fêtes ensemble. J'ai eu l'occasion aussi d'aller passer des fêtes, pas des fêtes, pardon, des vacances. J'ai l'occasion d'aller passer des vacances au Maroc, dans le grand sud marocain, où j'apprécie toujours la convivialité, l'accueil et l'hospitalité des Marocains qui nous accueillent comme des gens. Et ça, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, je suis un peu partagé, dans la mesure où j'ai deux garçons en Israël, j'ai deux filles en France, et j'ai mon père, mon père, deux frères, deux sœurs, au Maroc. J'ai en France, un jour parisien, trois sœurs et moi-même, et en Israël, à Petartimba, une sœur, Gisèle. Le juif errant est toujours le juif errant. Où qu'on aille, on se retrouve aéré. On se retrouve un peu partout. Nous nous sommes partagés entre le Maroc, la France, Israël. À un moment, c'était également les États-Unis, puisque mon fils Nathan l'a vécu pendant 8 ans. Finalement, je préférais faire un lien en Israël et vivre en Israël. Et Dieu lui donne réussite. Il s'est marié, il a un bébé. Qu'est-ce qu'il fait en Israël? Alors, mon fils Nathan, ayant fait des études informatiques à UCSD, University California San Diego, a fait des études en informatique. Il est ingénieur informatique en développement de web. Et dès qu'il est arrivé en Israël, il a trouvé une place chez IBM Israël. Aujourd'hui, ça fait du son bureau, un bon travail. Sabrina et Erika, Sabrina est mariée avec Jérémy Canem. Elle a deux enfants, ils sont de la France, ils vivent en France. Pour eux, l'idée d'aller habiter en Israël est vraiment, vraiment entre guillemets, peut-être, mais Erika est mariée avec Yann Benjolo et a trois enfants. Également, elle préfère habiter en France. Et le plus jeune, donc Rudy, qui a 23 ans aujourd'hui, fait l'école hôtelière à Tel Aviv. L'école hôtelière va et pour lui, sa vie, il doit se passer en Israël. Alors voilà, Raquel et moi,